Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo parce qu'il y a un petit temps, il y a genre un peu plus d'un an et demi au début de la chaîne, vous avez parlé des torches à main, les feux à main, où j'avais dit ouais, il faut en trouver sur un site, machin, truc et tout, et je m'étais fait allumer parce que, j'ai le mot pour eux, désolé, parce que justement, genre j'avais trouvé ça sur un site pour avoir en mode Cdiscount, alors qu'il y avait 2-3 autres sites comme Planète Fumigène ou Ultra Factory qui m'avaient été un peu conseillés pour justement acheter ce genre d'appareil parce qu'à l'époque j'avais acheté ça à 10 balles. Et de ce qui était dit, ça valait entre 5, 6, 7, 8. Donc dans ces eaux-là, ça faisait un petit peu de la douille. Et donc voilà, je ne l'avais jamais testé. Donc je voulais juste vous montrer un petit peu le fonctionnement, même si vous connaissez sûrement. Mais pour tous les nouveaux et nouvelles abonnés, bah voilà, c'est l'occasion de vous montrer ça. Du coup, on est avec cette torche à main. Donc là, sur un produit qui datait un petit peu, mais normalement, on est toujours fonctionnel. Dans l'état d'esprit, c'est assez simple. Vous le prenez à la verticale, vous enlevez le capuchon, on tire. Ça crame, donc ça dure environ une minute, une 20, une 30, ça dépend suivant la qualité, la quantité, on va dire plutôt la qualité de l'appareil. Donc c'est bien ça, on a le petit bouchon qu'on garde. Comme vous le voyez ici, on a la petite languette. On sort le tout et normalement, on tire d'un coup. On va voir ça tout de suite. C'est le one shot, attention hein. Wow! Oh la vache, ça crame! Donc là, on est dans une grotte. Je voulais juste vous montrer que ça éclairait pas mal quand même. Si tu arrives à faire un truc, donc ça fume pas mal aussi. On va laisser ça de côté. Oh là là! Oh, ça défonce la touche. C'est le feu! Voilà, on se termine cette petite vidéo dans une ambiance bien fumeuse. Mais c'était quand même bien cool, donc ça a bien fonctionné. C'est franchement chaud, ce qui n'est pas étonnant. Alors, à ne pas trop regarder dans les yeux, ça vous laisse des grosses marques, vous savez, comme quand tu regardes la lumière, bon bref. Mais dans l'idée, ça fonctionne super bien. Donc voilà, très cool. En tout cas, pour closer cette vidéo, ce qui se passe, c'est que donc là, on est sur celui-là qui a coûté 10 balles. C'était une marque italienne, donc FDF. Donc très bien dans le fonctionnement, hein, nickel. Oh, ça fumait de ouf. Regarde, regarde. Commence à cramer. Bref, du coup, ce qui a donné que j'en ai racheté, qu'on testera d'autres fois dans d'autres vidéos. Il y aura également une vidéo sur le feu d'artifice qui arrivera, qui fait écho à une autre vidéo qui avait été faite il y a un moment. Et puis, sinon, n'hésitez pas à mettre un gros pouce en l'air. Vous abonner, ça fait plaisir. Hein. Bientôt 1000 abonnés, ce serait cool. Et puis, on se retrouve une prochaine fois pour une nouvelle vidéo. Allez, ciao!